Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et je vous souhaite une bonne année 2022, de meilleurs voeux, le bonheur, la santé, tout ce que vous voulez. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ouais Dédé, tu pouvais même pas danser ou boire debout, c'est une année quand même spéciale. Mais si, tu pouvais danser, tu pouvais boire aussi, il fallait être juste un peu plus malin, regarde. On va parler cette vidéo, on va parler des frelons et des guêpes, le bilan de la saison 2021. Allez, jingle. Allez, c'est parti pour le bilan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Est-ce que c'était une bonne année de frelons ou une mauvaise année? Alors, quand on dit ça, quand on dit bonne année, c'est surtout pour les sociétés. Si c'est une bonne année, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de frelons. Si c'est une mauvaise année, c'est que le chiffre d'affaires est moins gros. Mais quand il y a moins de frelons, c'est plutôt une bonne année pour les abeilles, par exemple, et moins pour les pros. Mais donc, pour nous, les professionnels, c'est une petite année de frelons. Il y a eu moins de frelons asiatiques, ça a commencé beaucoup plus tard, et ça a fini un peu mieux, mais c'est sans plus. Par rapport à 2020, où ça avait explosé, là... Et comment ça se fait, Dédé? Alors, comment ça se fait? Ben, je vais te répondre. C'est tout à fait normal. On a eu un hiver pas froid, mais on a eu beaucoup de pluie vers avril, mai, juin. Et en fait, les reines de frelons asiatiques, quand ils sortent de l'hibernation, ben, ils sont toutes seules. Vous savez, ils font leur petit nid primaire. Ils vont chercher de la nourriture, de quoi grandir. Donc, ils sortent du nid. C'est souvent là qu'on vous dit de poser les pièges. À partir du moment où on attrape une reine dans un piège, ben, le nid, tant qu'il n'y a pas encore d'ouvrière, ben, il est plus actif et il se détruit. On voit bien la reine là, la plus grosse, qui sort. On voit bien qu'il y a des larves qui bougent. Donc il y a 5, 6 ou 12 ouvrières. Peut-être quelques-unes qui sont dehors aussi, qui sont parties chercher à manger. Donc le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de pluie et des jours de suite. Donc en fait, les reines sortent de l'hibernation et ne sortent pas quand il pleut. En fait, elle sort très peu quand il pleut. Et si elle ne sort pas, ben elle ne se nourrit pas parce qu'elle a besoin de se nourrir. Et comme il n'y a pas encore, elle pose que des œufs, il n'y a pas encore des larves. Et les larves, on sait très bien que la salive rejette beaucoup de protéines. Et ils adorent ça, les frelons. Donc du coup, ben, les reines meurent ben, de faim. Donc ça fait moins de nids. Alors, c'est comme ça, ça peut arriver, ça dépend. S'il fait trop froid, quand il gèle et tout ça, on peut avoir des pertes de reines pendant l'hibernation. Il ne faut pas oublier qu'un gros nid de frelons asiatiques en fin de saison, ça pond entre 50 et 150 futures reines pour l'année d'après. Donc il y a toujours des pertes dans l'hiver, parce que la reine elle hiberne quelque part, il peut y avoir un oiseau, un insecte qui va la manger pendant qu'elle dort. Hein. Mais il y a quand même à peu près 30% des frelons qui vont résister à l'hiver. Donc là il y a eu la pluie, bon ben moins de frelons. Et pour le frelon européen c'est pareil. Alors pour le frelon européen, il y en a eu autant que l'année dernière. C'est-à-dire que le frelon européen, malgré que le frelon asiatique est là depuis 2004, que ça fait un petit moment, le frelon européen, lui, il connaît. Il est là depuis très longtemps. Et en fait, il connaît, je pense qu'il anticipe mieux le climat. Il savait qu'il allait pleuvoir un peu plus cette année. Il a dû le sentir. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Mais il est sorti beaucoup plus tard. Et du coup, il y a moins de reines qui sont mortes à cause de la pluie. En fait, le frelon asiatique, il peut sortir en février-mars déjà. Que le frelon européen, lui, il va attendre, ça dépend du climat, mais il va attendre au moins avril, mai, voire juin. Voilà. Donc du coup, il y a eu plus de, enfin pas plus de frelons européens, mais il y en a eu autant. J'ai fait autant d'interventions de frelons européens que l'année dernière. Par contre, j'ai eu cette année plus d'interventions sur des guêpes germaniques ou guêpes vulgaris. Vous savez, c'est les nids de guêpes qui fonctionnent un peu comme les frelons. Mais les confrères, enfin, dites-moi si vous avez eu plus d'interventions de guêpes germaniques ou vulgaris. Moi, je vais vous expliquer pourquoi.
On dit souvent que les frelons asiatiques s'attaquent aux ruches d'abeilles, mais ils ne s'attaquent pas qu'à ça, ils s'attaquent aussi à la guêpe, parce qu'on sait très bien qu'ils ont besoin de l'abdomen de l'abeille ou de la guêpe pour nourrir les larves de frelons. Donc en fait, quand il y a beaucoup de frelons asiatiques, beaucoup de nids, ben, ils chassent aussi les guêpes germaniques ou vulgaris. Donc du coup, cette année, comme il y avait moins de frelons asiatiques, eh ben, les nids, il y a moins de nids qui sont morts. Donc automatiquement, moi, j'ai eu plus d'interventions sur les guêpes germaniques. Voilà pourquoi. Du coup, en 2022, il y aura moins de frelons asiatiques alors. Alors du coup, est-ce qu'en 2022, vu qu'on a une petite année de frelons asiatiques, est-ce qu'on aura moins de frelons asiatiques? Ben, c'est possible. C'est possible puisqu'il y a moins de nids Ce qu'on n'a pas trouvé, bon, malgré tout, même si vous cherchez les nids, tous les clients commencent à chercher les nids, regardent les arbres, tout ça, il y a énormément de nids qu'on ne trouve pas. Soit dans des ronces, soit dans des forêts. Donc il y a quand même pas mal de frelons. Donc à mon avis, ça ne va pas l'éliminer. Ça dépendra de l'hiver. Là, en ce moment, il fait vachement froid, il gèle. Donc ça peut éliminer. On risque d'avoir peut-être encore une petite année de frelons asiatiques. Mais c'est pas sûr. Ce frelon, il nous surprend tout le temps, donc on verra. Tiens, nous Dédé, on a trouvé du frelon oriental en France cette année. Ah oui, j'ai entendu parler du frelon oriental, le Vespa orientalis. Oui, ils l'ont découvert en Marseille. Alors j'ai quelques informations, mais pas à 100%, hein. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai tout ça. Les dernières nouvelles que j'ai entendues, c'est qu'ils ont trouvé du frelon à côté de Marseille, de la fondatrice, de l'ouvrière et le frelon mâle. Donc à partir du moment où il y a ces trois, ça veut dire qu'il y a un nid. Parce qu'apparemment, ils n'auraient pas encore trouvé un nid de frelon oriental. Donc le frelon oriental, il fonctionne un peu comme le frelon européen. Donc il va un peu cacher ses nids. Donc il n'y a pas encore beaucoup d'informations, donc on va en avoir petit à petit. Oui, je pense qu'il a été importé. Hein. Marseille, c'est une ville avec un gros port, donc beaucoup de transport de marchandises. Donc beaucoup de chance de remporter du frelon oriental qu'on retrouve au Maroc, qu'on retrouve au sud de l'Espagne, je crois, qu'on retrouve aussi en Grèce. Donc voilà, donc la Méditerranée fait que les transports, ça peut amener le frelon oriental. Donc il va falloir le suivre, voir s'il se développe, s'il résiste. À mon avis personnel, il va résister, surtout que Marseille, le sud de la France, c'est quand même chaud et tout ça. Je pense que dans quelques années, on va le retrouver un peu partout en France et on va voir ça. Ça fera du boulot en plus. Malheureusement, ça va faire du mal aussi aux abeilles. Donc je ne sais pas comment il fonctionne. Hein. Parce que le frelon européen attaque les abeilles aussi, mais il n'attaque pas les abeilles dans les ruches, il attaque les abeilles sur les fleurs. Donc est-ce que lui il fait pareil ou s'il s'attaque au niveau des ruches, ben là ça va faire mal aux abeilles. Putain con, on n'est pas dans la merde. Oui, s'il se multiplie, on n'est pas dans la merde. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, c'était le petit bilan 2021 sur les frelons. On est en 2022. 2021, c'était aussi moins de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne. Je vous promets, cette année, il y aura beaucoup plus de vidéos. Il y a normalement une belle surprise qui va arriver vers le mois d'août, vers la prochaine saison de frelons. Si tout se passe bien, je croise les doigts, une belle surprise. Donc continuez à suivre, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore lire les commentaires. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et encore une bonne année. Quoi? T'es pas abonné à Dédé Frelons? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Dédé Frelons.